Donc le travel pass pour les autorités. Nous sommes là, dans quelques pictures, grâce à l'information et family. After I leave your home, enter Italy. After Italy, I see the situation, I won't go to Italy and then return me back. So many things, me pass my brothers, as if you saw, make it come. This place, I forget the name, sir. Agadez. Friends suffering. If you know water, drink self hard for me. I don't get water to drink, eat self. I don't get food to eat. I'm suffering for the road. I spend many money. Vraiment, l'économie est bloquée ici à cause de l'immigration. Là. On ne veut pas qu'on bloque l'immigration pour que nos jeunes africains puissent aller améliorer. Il y a des gens qui partent là-bas pour améliorer leur savoir. Il y a des étudiants ici qui ne peuvent pas étudier ici. Bon, ils partent là-bas en Europe pour améliorer leurs études. Ce que nous avons fait là, c'est pas bon. Nous voulons qu'ils libèrent l'immigration. C'est mieux. Les gens partent là-bas, c'est mieux. On a bloqué beaucoup de choses à cause de l'immigration. Ah, ok. Mais avec ce qui s'est passé en 2011, pratiquement avec la chute du régime de Muammar al-Kadhafi, une nouvelle dimension a été donnée à la migration. Des jeunes Africains qui ne peuvent plus rester chez eux ont commencé à affluer vers l'Europe. C'est comme si, pendant tout ce temps, l'Europe a permis, en faisant tomber le mur de Kadhafi, à ce que la jeunesse africaine afflue vers l'Europe. Et cette même Europe est revenue maintenant vouloir stopper ça. Franchement, nous, à Agadez,
on ne comprend rien du tout. Ce n'est pas moi en tant que journaliste qui le dis, mais c'est toute la population de la Grèce qui ne comprend pas l'Union européenne politique. Pas l'Union européenne population. L'Union européenne politique a scié elle-même l'arbre qui l'a protégé en faisant tomber Kadhafi. C'est ce que les gens disent ici. Et puis elle-même, elle vient dépenser de l'argent pour pouvoir arrêter ce qui était déjà arrêté. Mais ça donne le vertige. Mais nous, ce qui nous choque ici à Gadez, c'est que depuis que l'Europe n'a pas voulu voir les jeunes Africains déferler chez elle, on a criminalisé tout ce que la région de Gadez fait comme transport interurbain. Tout celui qui prend des passagers pour les amener à Dirkou ou à Bilma, c'est un criminel. On l'arrête. Mais non, mes chers amis de l'Union européenne politique, l'Afrique est en train d'aller vers l'unité en faisant déplacer les barrières de l'Union européenne vers Agadez. Eh bien, vous tuez l'intégration de l'Union africaine. En campagne électorale, ils promettent. Et puis, c'est ça le drame, c'est ça qui nous donne le vertige ici. Surtout nous ici à Agadez, nous sommes en train de devenir complètement la déchetterie de l'Europe. Non. Ce qui va se passer dans les temps qui vont venir, c'est quoi? Tous les réfugiés qui viennent, qui reviennent de l'Algérie, de la Libye, ils passent par Agadez. Il faut reconnaître une chose. Parmi tous les pays européens, la nouvelle frontière de l'Union européenne, elle ne se trouve pas de l'autre côté de la Méditerranée. Non. Elle ne se trouve pas de ce côté de la Méditerranée à Libye. Non. Elle se trouve juste ici, à la sortie d'Agadez. C'est ça la nouvelle frontière de l'Union européenne. Ça, c'est le registre des passagers passés avant. En 2010. Mon nom, c'est Issa Ekelela, ex-passeur ici au niveau de l'autogare de Agadez. Moi, je n'ai pas travaillé dehors de l'autogare. Mon carrière, tout, je travaille sous autogare. Avant, l'économie d'Agadez, c'est 1000%, c'est pas 100% même, c'est 1000%. Avant, c'est 1000%. Les migrants venaient beaucoup. Ils achètent des nourritures, tout bidon, tout ça là en ville. Ils paient les taxes, les patentes, ils paient les taxes d'ivoirie, timbre de mairie, hein? Les véhicules encore payés, les migrants payés, tout ça là. Les recettes, ils rentrent sur les communes. Beaucoup. Tu as vu? Maintenant, on n'a pas trouvé, ici au niveau de la région d'Agadez, l'économie d'Agadez, il n'est pas même 10% même maintenant. Il n'est pas peut-être 5,0%. Il y a des jours même, mon famille, ils ne mangent pas. Dans 2 jours, 3 jours comme ça. Peut-être s'ils mangent un, peut-être le matin, on va dormir comme ça jusqu'à l'autre jour. C'est pas blague, hein. J'ai dit toi, au nain de Dieu. Wallahi. Et donc notre organisation œuvre pour l'instauration et la sauvegarde de la démocratie dans toutes ses composantes. Et nous luttons aussi pour le respect de la dignité humaine. Donc pour tout ce qui concerne les droits humains, donc nous faisons notre mieux pour sensibiliser aussi, pour éduquer aussi, pour sauvegarder et aussi pour protéger l'être humain en général. Donc quand on parle de droits humains, on parle naturellement donc de la thématique qui nous assaille aujourd'hui, qui nous dérange beaucoup ici particulièrement à Agadez aujourd'hui, c'est la thématique migratoire à travers la politique de l'Union européenne dans la lutte contre la migration.
parce que nous nous sommes rendus compte que la politique européenne vise uniquement à éradiquer la migration, à effacer les mouvements migratoires. Ce qui est une aberration pour nous, c'est qui est une bêtise humaine. Et je travaille avec mon oncle. Oui, mon oncle qui reçoit des immigrants, qui est passeur. Oui, il a son foyer, là où il reçoit ses immigrants. Donc ces immigrants-là, les immigrés-là, c'est moi qui les prenne. Et d'Agadez jusqu'à la destination qui est la Libye. Ça fait de cela quelque chose de 10 ans même, ou bien 11 ans de travail avec mon oncle. Donc, à l'arrivée de la nouvelle loi, nous voici, mon oncle a été arrêté, arrivé à la prison. Donc, comme moi je connais tout le travail, j'ai arrêté de conduire, j'avais un peu arrêté de conduire. Pour ne pas couper les... Comme je ne suis pas reconnu en tant que passeur, j'étais obligé de prendre la place de mon oncle. De prendre la place de mon oncle là, pour essayer de recevoir nos immigrés là, et les faire voyager. Avant, il n'y avait pas de problème. Avant, on était libre. On était libre dans notre travail. Oui, on peut recevoir, on peut déposer nos immigrants, même devant la commissariat, on peut les déposer sans avoir aucune crainte. Maintenant, quand nous avons nos immigrants, on sera obligé de chercher un coin auquel personne ne sait qu'il y a un être humain qui vit là-bas, pour les cacher, pour les prendre même de la garde. Il faut en cachette. Pour les mettre dans la maison, il faut que tu sois sûr qu'il n'y a personne qui te voit pour les mettre. Et pour les faire voyager aussi, c'est la même chose. C'est toujours sur les risques que tu parcours. C'est vrai, la région d'Agadez, ou en particulier la commune urbaine d'Agadez, c'est la commune en tout cas la plus impactée par les facteurs de la migration. Bien avant l'adoption de la loi 2015-036, c'est vrai, la migration, c'était une activité génératrice de revenus, non seulement pour les collectivités territoriales, les communes qui sont les communes de transit, donc en termes de recettes, donc en tout cas, en récent, on perçoit des recettes au niveau de la commune, donc au niveau même des acteurs, c'est des gens en tout cas qui se retrouvent en tout cas avec des revenus pour en tout cas satisfaire les besoins de leur famille. Donc du point de vue même en tout cas sur les marchés, ces gens-là, s'ils viennent ici à Agadez, avant de continuer vers la Libye, donc ils partent sur nos marchés locaux pour faire des approvisionnements. Donc ils approvisionnent au niveau du marché. Donc ça veut dire qu'on a une économie très solide avant de continuer. Donc en tout cas, on ressent, en tout cas du point de vue économique, une augmentation en tout cas donc, de ces flux de l'immigration au niveau de la commune urbaine.
Maintenant, avec la fameuse loi 2015-036, donc le gouvernement, en tout cas du Niger, a pris toutes les dispositions, en tout cas, que ce soit législative et juridique, en tout cas pour mettre fin, en tout cas, à cette tuerie qui se passe, en tout cas, dans le Sahara. Donc après cette loi, donc aujourd'hui, il faut voir le flux migratoire. Au niveau, on a une base de données, que ce soit au niveau de l'OM et à notre niveau. Donc, bien avant la loi, on a déjà les chiffres des gens qui passent par Agadez pour aller à Libye. Mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, depuis l'adoption de cette loi, donc il y avait en tout cas une réduction. Donc ça, les chiffres des gens qui passent, ça a été réduit. Donc, effectivement, avec la politique des charmes que nous avons amenée au niveau de la commune, en tout cas, on a convaincu les acteurs de la migration pour abandonner, en tout cas, cette activité. C'est une activité illicite, du moment où le gouvernement du Niger a pris toutes les dispositions donc, qui interdit, en tout cas, donc, le trafic des êtres humains. Donc, nos acteurs, en tout cas, ils ont accepté maintenant d'abandonner pour se transformer dans d'autres activités économiques, en tout cas plus flexibles.